l'un des militants de Justin-Marie Bombo qu'on n'est plus. Il est décédé aujourd'hui à Bruxelles à 86 ans. Avec Patrice Emery Lumumba, Bombo a participé à la signature de l'acte consacrant à l'indépendance du Congo-Kinshasa. Il est l'une des personnalités à avoir occupé de hautes fonctions politiques et diplomatiques du pays dès l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. La toute première réaction nous vient du député national Henri Thomas Lokondo. Il revient ici sur le parcours de l'illustre disparu. On écoute au téléphone depuis l'équipe Lamonto. La République vient de perdre là un grand baobab sur le plan politique et diplomatique de notre pays. Une mémoire institutionnelle qui vient de partir. Monsieur Bomboko a été d'abord parmi les tout premiers universitaires congolais avec les Kanza et les Lusembe. Il a été pionnier de l'indépendance. Il a été le tout premier ministre des Affaires étrangères congolais et c'est par ce statut qu'il avait signé l'acte de notre accession à l'indépendance aux côtés de Lumumba. Il a été président des commissaires généraux quand le président Mobutu avait neutralisé Lumumba à Kasavubu, vice-premier commissaire d'État des Affaires étrangères, ambassadeur de notre pays en Belgique et à Washington, membre du comité central et du bureau politique à l'époque du parti État. Il a participé pratiquement à toutes les étapes de la vie politique de notre pays. Nous l'avions vu également à la conférence nationale souveraine, même quand on a eu les négociations de Saint-City, c'est dommage, je crois que la République lui sera reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. Ah, ah, ah.